Yo tout le monde, c'est Thiob. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War. Pour rappel, hein, on joue les jets. Et c'est compliqué. Alors j'ai fait passer quelques tours, donc je suis allé prendre plus d'Eva, ce qui a ouvert la voie au Ardae pour prendre Navissos et à Odricia pour prendre Odessos. On voit une petite tentative de contre-attaque là, mais rien de bien méchant. Voilà, j'ai emmené cette armée à Pulpudeva. Alors, il s'est également passé il y a quelque chose, il y a juste le tour d'avant. Hein. Alors, juste. Voilà. Voilà, bois de Gebelaisis. Putain, c'est pas facile à dire ça. C'est clairement pas facile à dire. Qui est que les comment ces arvernes, ouais, les arvernes voilà m'ont déclaré la guerre. Alors les arvernes, ils sont en guerre un peu contre, enfin contre pas mal de gens. Ça tombe bien avec les tribus celtes. Et ça c'est le problème. Ça c'est problématique. Donc un retour à Segestica le plus rapidement possible, bien évidemment. Voilà, et même là, je sais pas si je ferais bien de les envoyer à Kink. Alors, mon but ce sera sûrement de prendre Noreya. Vous savez que Noreya, bah, c'est simplement une plateforme bloquée, hein, pour, enfin c'est une position obligatoire par laquelle il devra passer. Cette guerre inutile peut finir aujourd'hui, mais seulement si vous voyez les choses. Non, je refuse. Et même le mieux, ce serait aller d'en finir, ce serait d'aller en finir avec lui, mais là, j'ai un peu peur. Oh non. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout, ils sont chopés la peste. Hop, on va les laisser là en plein milieu du coup. J'en profite pour regarder. Non, toujours pas. Je peux les appuyer, on s'entend. Faites-moi part de votre sagesse, mais prendrez-vous tout. On va faire d'alliance défensive, c'est dommage. Salutations, ouais. Parlez donc. Ils veulent pas d'accord commerciaux. Pire, ils veulent rien. C'est fou ça. Ah là. Alors. On va retirer le déplacement rapide. Ah zut, il s'est refait bouffer, c'est pas vrai ça. Du coup, on remet le déplacement rapide. Voilà, on va retourner à Delminium. Donc il se défendra pas mal toute seule en Delminium, mais sur un siège ça va pas se passer pareil. Allez les gars, faut faire tomber Pella, la dernière cité Sparte. Comment ça se fait que Sparte... D'accord. Ah, donc là on est un peu entouré d'ennemis, c'est... On a le nord-est qui est à peu près tranquille pour l'instant, on sait pas trop combien de temps, ça va pas durer ce que c'est. Mais c'est tout quoi. La force diplomatique, ce sera une bonne chose. Fais attention, pas trop t'avancer toi. Fortification ici, éviter de transmettre cette peste. Il va falloir finir le siège, mon ami. Là, c'est bête, hein, mais il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, je prends mon clos de chevaux. Compliqué.
compliqué en fait, à chaque fois où je commence à en voir le bout, à me dire ah c'est bon, on va en finir avec un, et bah paf, il y en a un autre. Et ça c'est pas cool. Ah on va les piller Epidamnos. Voire même aller prendre Epidamnos. Je vais les prendre, c'est bon. Voilà, on rase Epidamnos. Ouais. Est-ce qu'ils sont toujours pestiférés? Non. Ouais, du coup, je les envoie à Segestica. On a une bonne reconstitution ici, hein. Très très bonne reconstitution. Qu'est-ce que... Oulala! Mais après il est content hein, parce qu'à ce rythme là c'est une unité mercenaire, non même pas. Ah c'est cher. On va pas faire mieux. Hein. Va falloir tenir avec ça hein, les gars. Là, je vous le dis. Va falloir tenir avec pas grand chose là. Si ça passe, résolution auto. Ouais, j'ai un peu la flemme. Hein. Allez, résolution auto. Parfait. On relâche. Ça fait de l'argent. Ok. Sparte n'a pas attaqué. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ah, ils sont près de Navissos. Nous sommes nés du chaos et retournerons au néant. Nous nous en chargerons quand vos cités brûleront. Bon. Ça commence à faire beaucoup là. On les voit là-bas. Ouais. Ça commence à faire beaucoup tout ça. Aïe, je vois deux armées là en plus d'un coup là. C'est pas bon du tout. Ouais, deux armées. Deux armées Arverne. C'est problématique. C'est très problématique. Il a arrêté le siège de... Oh, putain, il est chiant. Il y en a partout, les gars. Il y en a partout. C'est compliqué. Falloir leur montrer de quel bois on se chauffe. Retour à Sea Kingdom. J'ai pas le choix. Là. On va le laisser reprendre Epidamnos. J'ai pas trop le choix du tout, même. Et là, je sais pas. Ouais, normalement, je vais pouvoir monter une armée. J'essaie de monter une armée en urgence de mercenaires. Il va falloir gagner avec ça. Hein. Je vous le dis les gars, ça va être tendu. Hein. Il va falloir gagner assez rapidement en plus. Ouais. Combien? Ouais, je sais pas. Je vais pas le faire de suite, sinon je vais pas avoir de reconstitution d'armée. C'est pas bon ça. Ouais, adoptons la marchandise. Ok. Comment ça coûte toi? Ouais, quand même, allez, hop. Du moral, c'est très bien, du moral. Voilà. On peut pas mieux faire. On peut pas mieux faire pour l'instant.
Voilà, alors la première armée attaque à Kink. Désolé, sur auto ça passera pas, hein, mais évidemment. Il y a pas mal de guerriers celtes, bon, heureusement ils ont quelques hommes libres en relais. Pourri. J'ai de la cavalerie. Un peu de cavalerie légère, un tout petit peu de cavalerie lourde. Oh, j'ai pas mal de cavalerie en fait. Donc voilà, il va falloir faire un petit mur, on a des lanciers. Ils ont des lanciers aussi, hein, c'est pas ouf niveau offensif. Ouais, voilà, on va mettre nos unités ici, cavalerie qui fera le tour par là très certainement. Et là on mettra nos unités de jet. Enfin vous allez voir. Hop. On peut voir que niveau unité je n'ai point grand chose. Hop, lancier. Je détiens enfin, là, si on met les mercenaires devant. On a des munitions, voilà, acheter. Bon certes ce sera c'est une unité légère, ça craint un peu plus le corps à corps, mais ça c'est pas très grave. Et là on a ça de cavalerie utilisé, et ça pour le coup par contre ça va être très très sympa. Allez, donc on va avoir une charge de cavalerie normalement. Ah ouais. J'ai pas envie de les faire avancer de suite en vrai. Déjà tout ça. Pas de garde. Ok, là ça avance, c'est bien. Allez, avancez plus loin les gars. C'est bon, ils sont pas vus. Allez, les projectiles. Ah, c'est la cavalerie légère en plus. Ok, là ça va passer par le côté. Un problème. On leur a demandé de faire feu dessus. Ok, allez, attaquons là-bas. Et on voyait le général en ce moment. Allez les gars, faites feu à volonté là. Faites feu, faites feu. Faites feu, arrêtez d'aller au corps à corps. Voilà, merci. Ouais, ça a 3 morts et demi, hein, voilà. Bon, c'est pourri, clairement. Allez, viens, ouais. Qu'est-ce qu'il fout? Mais vous... qu'est-ce qu'il... pourquoi il passe par là? Ouais, allez. Chacun son endroit. Ouais, on attire quelques hommes libres au relais derrière, c'est très bien. Alors là, par contre, toi, si tu tires, ça va pas le faire. Voilà. C'est quoi, il va le... voilà. Les deux, ils se sont fait... non, c'est vrai. Ouais, les guerriers mercenaires, là, qui... commencent à perdre un peu conscience. Confiance. Allez mon général, c'est le moment là, c'est le moment de rayer. Putain, ils veulent pas, c'est fou. Oh, ils sont 30 là, sérieux? Non mais. Je sais pas ce qu'ils veulent là. Ça fuit quoi? Même mon général il. Quoi? Ah non, c'est pas mon général, merde. Je l'ai pas foutu au milieu, j'ai pas vu. Faut pas que ça fuit là en vrai. Ok, là on est bien. Oui, non, non, on va pas faire ça, on sait où est-ce qu'il va aller. Nous ne connaissons pas la peur. Le jeune Celter en 6, la vache. Mais tiens, qui tient une tête à ma cavalerie légère là.
rebelote, là, une bonne charge d'arrière par l'arrière, là, ça fera du bien. Du coup, c'est en contact avec les unités avance. Vraiment pas ouf. Cavalier, paré! Cavalerie! En vrai, faut qu'il meure au bout d'un moment quand même. Ouais. Cavalier noble! Chargé! Je retire un instant pour la volonté, hein, vu que j'ai des unités comme ça. Ça y est? Et ça meurt bien. Il va falloir mourir plus vite. Hein. Allez, 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 allez. Ok, toute la cavalerie, elle est là. Allez, on y retourne. On va laisser un petit peu se reposer, ils sont en forme, hein, en vrai. La volonté. Ouais, ils sont tellement en retard. Allez les gars, faites feu. Allez les gars, vous avez plein de munitions à utiliser. C'est vite à le corps à corps. Ouais. Les raids de rythme, le pauvre là, je sais pas combien de temps il va tenir, mais pas longtemps. Allez, on. Ça fait mal. Là, ça fait mal. Un guerrier à l'once ou pas, un affichtre. Ah, ils ont reconstitué, bien. Qui c'est qui peuvent tirer en CP? Ah, les bains, c'est tout. Hein. C'est ça, balancez bien tout ce que vous avez, les gars. Je veux plus voir une seule de vos munitions, là. C'est pas mal du tout là. J'ai manqué de munitions, c'est dommage, mais c'est pas mal. Hein. Okay, stop. Arrêtez de suite. Voilà, on va pas utiliser. On va éviter d'utiliser nos munitions trop sur les mêmes. Là ils sont regroupés, c'est bien. Désolé, on sacrifie hein, les membres de tribu. J'ai pas trop trop le choix là. Ça. On va reculer ou pas. Même pas besoin. Au final. Non. Non, même pas. Hein. Fait les bons dégâts. Hein. Arrêtez, ouais, exactement. Arrêtez, ils sont 16. On va y envoyer la cavalerie. Ces cavaleries là. Donc, je vais plutôt les faire là-bas. Commencer à fatiguer. Non. Voilà, merci. Bon, ça fatigue un peu ces guerriers celtes. Voilà, et là on a fait une bonne charge. Là, c'est pour le coup. Hop, et là, on tire.
Ça lui a bien fait mal. Là. Une munition. Non plus. Allez, on fait reculer tout le monde. T'as quoi, même eux, je vais leur dire d'aller là et de contourner pour prendre des points. Allez, utilisez vos munitions, les gars, je veux plus rien voir. Je sais pas si j'ai la range. Allez, on va charger les guerriers celtes là-bas. Non, allez, la cavalerie, partez, partez du corps à corps. Ils sont rapides, hein. Force de charge, les salauds. Elle est violente, hein. Pas facile là de jouer sur deux. Ok. Allez, allez là où il faut. Vous. Non, non, je vais être obligé d'annuler. On a vu le général là. Il attendait que ça. C'est bien remplacer le seul. Voilà, bon, on va temporiser un petit peu, il va vouloir aller rechercher le point de toute façon. Ouais, super, on a compris. Voilà, la cavalerie elle les attire. N'hésite pas à faire le tour. Qu'est-ce qu'ils font, le mur de bouclier Il tire tout mur. Cavalerie légère. Alors, vide les munitions. Si peu de dégâts que ça fera, bah ça en fera quand même. Ah, attention. Voilà, ils ont tous fait marche arrière. Nous avons soif du sang et de bataille. Voilà, on continue à mettre la pression, de toute façon on est obligé. Ils savent pas trop où donner de la tête. La logique voudrait de tout. Voudrait de tout concentrer au même point. Mais c'est compliqué. Quand le point sur lequel vous concentrez et le point là, va être un point plus rapide que vous. Voilà, en parlant de point, on va reprendre ce point de capture. Hein. Bah, surtout que eux là, ils sont très lents. Ils sont très très lents en état d'épuisement. Plus longtemps on les fait courir, en vrai, mieux ça se passe. Hein. On a fait tourner en bourrique, hein, c'est le but. Voilà, on reprend le point en plus. Il sait pas trop quoi faire, il est perdu. Oh, il est bien perdu là. Hop. Alors, on va bien les attirer là pendant qu'il y a une charge là.
ça qu'on veut là-bas. Ça se passe pas mal. Vite maintenant. Cavalier, avancez. Ça se passe même très bien. Cavalier, en avant. On va essayer de les attirer au mieux. Allez, on avance toutes les unités, voilà. Et là-bas ça se passe bien, là j'en ai bouffé deux. C'est du grignotage, hein. C'est absolument du grignotage. Mais ça marche. Ça passera pas, j'aurai pas le temps d'arriver. Si vous déployez comme ça, ça devrait aller. Allez, on continue, on n'arrête pas sur si bon chemin. Non, on n'arrête pas en si bon chemin. C'est mieux. Alors, on avance petit à petit et on va faire une charge. Hop. Que ce soit lui qui charge en premier, voilà, je veux très bien eux qui chargent en premier. Ok, les guerriers légers là, hop, voilà. Ça par contre c'est gratuit. Très faible. Même s'ils sont bien entraînés, même s'ils ont beaucoup d'expérience, ça reste une unité faible. J'ai pas compris qu'ils sont entraînés, mais vraiment pas être bon. Allez les gars, tenez. Allez, tout le monde là sur le général Mi. Voilà. Et là, ils sont pris de toutes parts. Là, je peux vous dire le moral, les gars, chez eux, ça a piqué. Hein. Voilà, allez hop, il y en a déjà un qui se barre. Il y en a un qui a totalement fui. Voilà, on n'hésite pas. On lui met une aspiration. Allez, on charge. Voilà, Abydos, ce sera le seul qui devra rester à la fin. Voilà, allez les gars, on n'hésite pas, hein. On y va, allez. Allez, on resserre la formation. Non mais c'est pas moi qui vais perdre quand même, c'est fou ça. Celle d'à côté, hein, apparemment ça pose problème, voilà, ça va aller là, non, purée, c'est compliqué, hein. Allez, on poursuit, je veux pas de survivants parmi au moins son général, c'est hors de question. Voilà. 3000 pertes de son côté. J'ai déployé une armée de mercenaires qui a bien tenu. Ils m'ont fait mal, la vache. Cavalerie et des tirailleurs efficaces, ma foi. Ils ont été très efficaces, hein, les tirailleurs. Purée. Voilà. Bon. Peut-être qu'il enverra sa deuxième armée pour prendre Akink, mais. Pas très grave en vrai. Ouais, bon, ça je leur reconcède, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai pas le choix. La guerre blesse les vôtres. Très c'est votre chance d'y mettre un terme. Acceptez ou bien souffrez plus encore. Non, faut vraiment les finir. Bon, il va falloir qu'ils se bougent le fiac. Que mes alliés se bougent le fiac et qu'ils finissent par prendre Pella. On est bien en vrai. Bon, je le bougerai en dernier. Là. Voilà, là, c'est plus comme il faut. Résolution. Bon, là, je suis toujours dans un souci d'argent.
J'ai pas de carré rouge. Il n'y a pas de meilleure fin que la mort dans la bataille. Ok, ouais, toutes ces unités mercenaires, je vais les dissoudre, ça me coûte trop cher. Ça me coûte bien trop cher. Qu'est-ce que c'est ? Super, un incendie assez gestique en plus. Impeccable. Qu'est-ce que ça passe? Ah zut, ça passe pas. Pas de panique. On ne dort pas pendant la garde. Il traverse pas là. Il traverse pas le Danube, c'est bon. Ok. Ils sont 20. La tribu. Je vais le dissoudre lui. J'ai pas vu qu'ils étaient autant. Je vais remonter une force à côté à Siglingdun au cas où. Je vis. La nuit sera longue. Ouais, je fais un peu de cavalerie à Siglingdun. En cas de pépin, on devrait être tranquille. Voilà, donc c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. C'est toujours aussi compliqué. C'est clairement toujours aussi compliqué, mais bon, bah, c'est comme ça. Bon, on aura bien cassé du Sparte. Du Spartiate. Ouais. On va continuer comme ça. Donc, j'espère. Enfin, je vous propose. Pardon, je vous propose de nous retrouver demain pour la prochaine vidéo, le prochain épisode. Ah, c'était Thiom. Ciao.